Vous ne connaissez que lui. Mais regardez-le bien. Voyez comme cette fois il est calme, tranquille. Un vrai père tranquille, retiré des affaires. Tout au moins de certaines affaires. Il est tout placide derrière son comptoir. Mais ne vous y fiez pas, c'est de l'eau qui dort, de la dynamite qui couve. Excusez-moi une seconde. Dis un peu ce que je viens de découvrir dans le matelas. Une simple étincelle, un incident ou un accident. Un petit coup de main, messieurs. Nous, on a une voiture qui marche. Et voilà le fauve lâché, déchaîné. Heures dans un bloc, ça va vous paraître long. Ça n'est pas toujours facile à manier, un agent secret. C'est même quelquefois une mécanique compliquée à remettre en route. Mais dans ces histoires-là, il n'y a que le premier tour de manivelle qui coûte. Après, dame, après, c'est bien difficile de l'arrêter. Et malheur à celui qui a l'idée de vouloir lui barrer la route. Oui, cet homme, c'est de la dynamite. Une sorte de force de la nature. Une force de la nature contre laquelle on ne peut rien. Ou presque. Cet homme, c'est le héros du fauve et lâché. Où il est là, plus violent, plus captivant que jamais. Je sens qu'elle va gratiner la suite. Cet homme, c'est Lino Ventura. Il vous a déjà bouleversé, passionné. Mais jamais vous ne l'avez vu vivre à l'écran une histoire aussi âpre, aussi mouvementée que celle du fauve et lâché. Moi aussi, j'ai du mal. Lâchez mon œil sous le butée. Et mon œil, j'ai pas l'intention de le lâcher. Pas du tout. Non. Jamais cet agent secret n'a accompli de tels exploits. Il est vrai qu'une fois le fauve lâché, il fallait bien régler ses comptes entre soi. En famille. Et quelle famille? Mais dites-moi, et le petit fiancé dans tout ça? Lino Ventura. Lui seul pouvait se sortir de telles aventures. Lui seul pouvait être ce véritable fauve en liberté. Qui, du premier cri... Non! Au dernier coup de feu... De la première image... Au dernier suspense... Est le héros de cet épisode sensationnel... de la guerre froide des services de renseignement français et étrangers. Bientôt, sur cet écran, vous verrez avec Lino Ventura ce qu'est un véritable fauve lâché et déchaîné. Bientôt, Lino Ventura dans Le Fauve est lâché.